vous invite à passer quelques minutes en compagnie de l'artiste Nancy Caillouette. Mon nom est Nancy Caillouette, je suis artiste peintre et propriétaire d'une boutique d'art à Chicoutimi. C'est aussi une école où j'y enseigne la peinture acrylique et différentes techniques. Ça fait environ 18 ans. Je peins à l'acrylique parce que c'est le médium qui me rejoint le plus. J'ai peint plusieurs sujets, paysages, des fleurs, des fruits, des personnages. J'ai abordé plusieurs styles, toujours dans le but d'expérimenter, de m'améliorer et de découvrir ce à quoi j'aspirais vraiment. Avec toutes ces recherches, finalement, l'art abstrait est vraiment venu me chercher. C'est ce qui me rejoignait le plus. J'aime travailler seulement qu'avec les formes et couleurs. C'est un défi à chaque fois. Chaque tableau a son aventure, a sa propre histoire. J'aime incorporer aussi dans mes tableaux différentes textures et produits. J'adore travailler avec différentes spatules, surtout les grosses spatules. Mes tableaux, je les peins pendant mes heures de repas, pendant mes heures de souper, en fait. Alors, quand je termine un cours après le midi, je m'enferme dans mon atelier qui est à même la boutique, dans mon espace créatif. Je rentre dans ma bulle et c'est à ce moment que je crée mes tableaux. Je me laisse vraiment guider par mon instinct créatif. Et puis, dernièrement, ce qui m'a beaucoup surprise en tant qu'artiste, c'est que j'ai créé une série de personnages en noir et blanc au début de la COVID. Lorsque j'ai dû fermer mon commerce suite aux recommandations du gouvernement, je me suis enfermée dans mon atelier et j'ai peint sans arrêt. Je me rappelle pas les derniers moments où ce que j'ai eu autant de temps pour créer. Moi qui aime tant les couleurs, j'aurais jamais pensé un jour les retirer de mes tableaux. Puis c'est ce que je vous présente aujourd'hui à ce symposium virtuel. Plusieurs de ces œuvres ont même des petits messages, des petites images qui sont dissimulées à travers les personnages qui ont un certain rapport avec la COVID. À vous de les découvrir.